que nous avons été difficiles. Et les gens qui ont été difficiles, 7 ans, 8 ans, vous allez dire. Et je voudrais vous dire en vérité, cette église parmi les églises que personnellement j'aime et que je respecte beaucoup. Et dans le monde, je suis dans l'église, je suis dans l'église, je suis dans l'église. Loin de moi, toute flatterie possible, je vous dis ce qui vient de mon cœur. Je suis dans l'église, flatterie, je suis dans l'église, je suis dans l'église. Et les révérends Paul, c'est parmi les pasteurs que j'estime, amen, que je considère. Révérend pasteur Paul, il fait un travail remarquable, mais dans le silence. Son travail parle de lui, mais lui-même ne parle pas de lui. Cependant, dans notre contexte, nous sommes plus entourés des gens qui aiment parler d'eux-mêmes au lieu de laisser leur travail parler. Je bénis l'invitation passée. C'est avec beaucoup d'amour que je suis venu. Et je vais prêcher avec mon âme. Je vais libérer ce que le Seigneur a mis à moi. Pour la bénédiction de ses pères. Amen. Et j'aimerais aussi remercier tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. J'aimerais vous dire une vérité. Si vous voyez une église aller de l'avant, c'est la preuve qu'à côté des leaders, il y a de bonnes personnes. Parce que même Samson avait besoin même d'un petit pour réussir dans sa mission. On a toujours besoin des autres pour réussir. Si quelqu'un avance, c'est qu'à côté de lui, il a des bonnes personnes. Voilà pourquoi que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi remercier de la manière la plus particulière les chantres. Depuis la première fois que je suis passé ici, je crois que j'ai été émerveillé par notre équipe musicale. Et je croyais que les données ont changé, mais j'ai constaté que ça évolue encore. Amen. Quelle prestation! Oh. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos chants? Dans quelques semaines, nous allons organiser une de nos grandes activités. Je demanderai la paix. Je vais prier pour que Dieu touche le cœur des révérends, qu'il vous accorde la permission de venir nous venir même un jour. Amen. Parce que dans notre église, il y a une équipe qui souvent pose des problèmes, qui a des difficultés à être stable, c'est l'équipe musicale. Mais vraiment, quand on a une équipe stable, c'est une bénédiction. Dans l'église, on a vu ce mingi, tout ça, on a coco sur la bayembi, mais ceux qui bayembi, ba vandi sami. Et ça, vraiment malin. J'aimerais aussi vous remercier pour tout ce qui était là. N'a pas mal de l'union sur ça. Imaginez un peu que si vous n'étiez pas là. Là, madame, ce qui est là. Et que moi, j'avais le micro, j'ai crié, j'ai prêché. Imaginez un peu quelle serait la réaction des passants. Mais il m'aurait pris pour un éliminé. Mais moi, je suis allé bon. Un fou, un vieux papa qui écrit lui-même. C'est vous qui donnez un sens au travail que je vais faire. Voilà pourquoi je veux vous bénir. Je vous dis la vérité, je vous bénis. Je vous bénirai de tout mon cœur. Pourquoi personne n'a même été sauté déjà? Pourquoi personne n'a même été sauté déjà? Est-ce que tu es Amen. Je me suis servi de ce thème. Nazo
Mon année de sortie et des entrées. Mais les sous-titres que j'ai aimé partager. Qui va répondre à ce thème? Oui, répondre à tempo. Mais moi je cherchais un thème révolutionnaire. Tu vas m'aider quelqu'un à prendre les décisions. Tu vas révolutionner la foi de quelqu'un. Bien aimé, tu sais que ceux qui construisent des maisons à 10 étages ne sont pas des anges. Ils sont des hommes comme toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ceux qui sont pris en mariage par des ministres sont des femmes comme toi. Voilà pourquoi j'ai pensé à un thème un peu commun. Le thème que nous allons partager. Je ne suis pas Lazarien. Oh, Naza Lazarien. Je ne suis pas de la race de Lazare. Naza na race ya Lazare. Je ne suis pas de la ressemblance de Lazare. Na Lazare. Le thème que nous allons partager. Maman Kamboto Kabo. Je ne suis pas Lazarien. Ma Naza lokola Lazare. Moto poka no bango penda avec Nakanda. Naza Lazare. Que cela soit un chef pour toi. Écoutez, ça m'a bon pour nous. Et donne debout, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons trois petits versets. Premièrement, j'aimerais que nous lisions trois Jean. Parce qu'il y a un seul verset, le chapitre 2. Il y a un seul chapitre, le verset 2. 3 Jean. C'est ça que nous allons lire. Après, j'aimerais encore que nous lisions Marc 16. À partir du 1er jusqu'au 8e verset. Vanda verset 1 à 8. Et pour terminer, j'aimerais que nous lisions Jean. Le chapitre 20. Nous lisons les versets 6 et les versets 16. Verset 6 et 16. Ce sont là quelques versets que nous allons partager. Merci beaucoup. Matongo. 3 Jean 2. 3 Jean, le verset 1 à 20, le 25 et la compagnie. Bien-aimé, mon lingami, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Marc 16. Du premier jusqu'au 8e verset. 1 à 8. Marc chapitre 16. Le verset 1 jusqu'au 8. À 8. Lorsque le sabbat fit passer, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Marie, maman de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Le grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui ne roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et devant les cieux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées.
Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth. Qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. Déjà na Galilée. C'est là que vous le verrez. Comme il vous l'avait dit. Elles sortirent du sépulcre. Merci beaucoup, Cheskela. Cheskela, c'est 8, non? 8, non. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut lire. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Jean. Verset. J'ai dit quel verset? Jean 20, verset 6 et 7. Jean 20. Jean 20, chapitre, Jean 20, verset 6 à 7. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit le bandre qui était à terre. Et les langes qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec le bandre. Mais plié dans un lieu à part. Les araki sous sont ma bande, c'est moi les araki pemben. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort la parole de Dieu? Merci beaucoup. Bien-aimé, écoutez. Nous voulons commencer notre message. Je prierai tout et chacun de nous à me prêter son attention. Les thèmes que nous partageons tout au long de cette année, mais c'est aussi les grands thèmes de notre enseignement. Mon année de sortie et de rentrée. Mais permettez-moi de prendre seulement la partie qui parle des sorties et des entrées. Quand nous parlons des sorties et des entrées, en d'autres termes, nous parlons de mobilité. Nous parlons du mouvement. C'est-à-dire, nous parlons du changement. De quitter un statut pour un autre. Quitter une vie pour une autre. Mon année de sortie et des entrées. Moula nanga ya kobima pe kokota. Cela veut dire tout simplement mon année de changement. Liko le bakaka moula nanga ya mbongwa. Dieu ne m'écoute. Molinga miyoka. Nous parlons, nous voulons parler du changement. Kolingito le benatina mbongwa. Nous voulons parler de la mobilité. Kolingito le benatina ya mbongwa. Ce qui est contraire du statu quo. Oye kokanite na statu quo. Le non changement. Oye mbongwa na kate. Dieu ne met dans le Seigneur. Molinga mikati na mbongwa. En commençant par la volonté de Dieu. Na komanda. Dieu dans sa volonté. Zambe na mokano na ye. Non, ne pas le statu quo dans la vie des gens. Yali na keloko ebongwa na katé na bomo ya banana. Dieu n'aime pas le non changement. Zambe yali na keloko ebongwa na katé. Je veux te dire une vérité. Na lingina bisolo komo. Que personne ne te trompe. Moto mokote. Dieu n'aime pas que ta vie reste la même. Zambe yali na katé bomo ne tika rolenge. Que les années passent. Oh, bambou les sols et là j'avance, mais que la vie ne change pas. Oh, bon, moi, bon, voilà. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas le non-changement. C'est ainsi que dans trois champs, nous voyons cette parole de l'Éternel. Nous sommes dans le bas, il y a du côté. Dieu qui dit que Dieu ne m'aime. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Oh, mon frère, écoutez-moi. La volonté de Dieu pour tout et chacun de nous. Que nous prospérions à tous égards. Cela veut dire quoi? Que nous prospérions dans tous les domaines de notre vie. Que nous prospérions dans tout ce que nous pouvons faire. Je veux qu'il y ait l'avancée. Je veux qu'il y ait le progrès. Que je progresse. Que je évolue. C'est ce que tu fais. Que ce que tu es aujourd'hui. Que demain tu ne le sois plus. Je veux qu'aujourd'hui tu es célibataire. Que demain tu sois chassé. Et que le lendemain tu sois marié. Aujourd'hui tu es chômeur. Que
Avec un petit capital. Avec 10 000 francs. Na 10 000 francs. Et que demain que tu touches sa famille. Et que le lendemain le million. Et que l'homme qui n'a pas. Ça c'est la volonté de Dieu. Il y a un monde chacun de nous. Il y a pas moto moto la moto. Si je parle seulement une seule personne. Ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Ah, ça mon cas de l'ensemble pour la. Il ne faut pas que ta vie reste la même. Que nous constatons que tu es toujours la même personne. Tu ne fais pas ça. Tu peux me donner la même chose. Amen. 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 Si je te si cette parole est pour toi, donne-moi une amène plus que tout le reste. Puisque tu me donnes une amène vivante, j'aimerais te confirmer qu'aujourd'hui Dieu te bénisse. Tu ne sortiras pas ici tel que tu l'as appris. Est-ce que tu peux me donner une amène plus que tout le monde? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez pourquoi j'insiste sur Amen? Aussi pour Nanine Nazou, c'est mon colonne ton Amen. Amen n'est pas un simple slogan. Amen est à la tête, l'homme n'a pas de la protection. Amen est l'incroyable. La vie n'a pas de la main. Amen. Deuxième colonne, on t'a dit, à toi, il y a ma sémence. De quoi il y a un Amen. Et puis, de quoi il y a un Amen. Amen. On n'a pas mené à ma paix. Amen. On n'a pas mené à ma paix. Ça c'est la volonté de Dieu. On est à mon canon. Que nous prospérions. Et que nous avions de la force. Que ce que nous sommes aujourd'hui, que demain nous ne serons pas. Année après année qu'il y ait et pour la chimie en boule, est à la route. On constate que chacun constate que ma vie est en train de progresser. Que chacun soit en mesure de constater que chaque fois. Que ce que j'étais en 2019, c'est pas ça que je suis en 2019. Et puis, après la façon dont les choses marchent, en 2021, je ne serai plus ce que je suis. En 2021, c'est ça la volonté de Dieu. Mais Dieu aimé, écoutez. Voilà la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui me fait mal? C'est parce que ce n'est pas ce que nous constatons. Dieu fait que nous progressions. Dieu fait que nous évoluons. Mais si nous voulons être sincères envers nous-mêmes, si nous voulons examiner notre vie, ce qui te donne la peine à ma lame, nous constatons que très souvent ce n'est pas ce que nous voulons. Beaucoup d'entre nous sont d'accord avec nous. Beaucoup constatent que leur vie ne marche pas. Malgré les efforts qu'ils fournissent. Moi, je connais des couragés. Nous devons reconnaître que parmi nous, il y a des couragés. Des gens qui ont tenté partout. Il y a tenté avec les commerces, avec les voyages. Espérant faire avancer sa vie. Mais, malgré tous les efforts, on constate à la fin que la vie tourne toujours à rond. Il y a des gens qui ont fourni des efforts. Je ne peux plus partir, j'ai tout fait pour ma vie. Parce que qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais je ne comprends pas comment elle est là. Je sais qu'il prospère. Mais lui, les fils sont contraires. Au lieu de vivre la prospérité tant voulue par Dieu, au bout d'un temps, nous vivons les blocages. Nous vivons l'humiliation. Nous vivons la honte. Nous vivons la pauvreté. Au lieu que les choses avancent, nous constatons comme si la situation dégringole encore de plus en plus. La situation s'est noircie encore davantage. Église, permettez-moi de vous dire, nous devons reconnaître qu'il y a des gens. S'il faut considérer leurs vêtements, s'il faut considérer leurs efforts, s'il faut considérer les relations,
ce qui est la croyée dans la bango. Vous pouvez déjà être dans les bons. C'est quelque chose déjà du colo. Dans la gloire. Dans kembo. Dans l'élévation. Dans kotombo. Mais à la place. Ça se nécessite. Tu vois quelqu'un dans l'illusion. Au moins la moto, ça n'a si. Tu fais une vie honteuse. Un zombie qui a bon moyen. Mais il a tout tenté. La sia mekin a nions. Il a tout fait. À sa lignon. Au Dieu de méga les seigneurs. Nous devons reconnaître qu'il y a des femmes. Mais c'est que tu es besoin de basse. En termes de beauté. Dans le lenda qui tombe. En termes d'éducation. Na koloba o ezali ezali. Parce que là, tout ce qu'il faut, pour être pris en mariage, même en termes d'éducation, en termes de soumission, mais à la place de cela, voilà que 35 à 40 ans, la femme est toujours là. Oh, ne commence à dans la parcelle parentale, elle est devenue sujet d'humiliation, sujet de honte, de critique, de calomnie, privé de gloire. Azam aussi quand il veut des respectabilités. Il est pesa et pena, ba pesa et mérite le mariage. Donc il y a bon il a tout ce qu'il faut. Il y a la union sociale. Il a les qualités, les aptitudes. Azam a la qualité union sociale. Une femme pour qu'elle soit mariée. Il y a bon il s'amit mal à mon père. On lui dit la prospérité. Mais voilà que le fil est compté. Zombie mon et puis permettez-moi de vous dire. Dieu Nzambe fait que nous prospérions. Dieu veut notre bonheur. Ça, je te l'ai dit. Wanaebisio. Que personne ne te dise que non, parce que vous allez volontaire. Non, volontaire, Nzambe, pas il y a moi dans Nzambe, ils ont une période. C'est que nous appelons les déserts. Mais les déserts n'ont jamais été éternels. Et sauvez à la rapport à la libération. On entre dans les déserts. Mais on ne meurt pas dans les déserts. On finit toujours par sortir. Les déserts, peut-être que la voie obligée par Dieu. Pour atteindre le Cana, c'est vrai. Mais les déserts sont passagers. Désert et Zanzela. Comment toute ta vie est devenue désert? Année après année, les uns prospèrent, les autres réussissent. Quand tu regardes à gauche et à droite, tu vois les amis avec qui vous avez étudié. Aujourd'hui, ils sont mariés. Aujourd'hui, ils travaillent. Directeurs font d'accord. Directeur aujourd'hui, ils ont acheté des parcelles. Mais toi, la vie ne bouge pas. Tu constates qu'il y a des chats. Même ceux qui étaient derrière toi. Même ceux qui n'avaient pas ton niveau. Aujourd'hui, ils sont élevés dans tes lignes. Mais quand tu regardes ta vie, tu as l'impression qu'il y a des marches. Il y a des marches. Mais où est la volonté de Dieu? Dieu dit, je souhaite que tu prospères. Mais pourquoi tu ne prospères? Et j'aimerais parler de ça. Beaucoup de gens ne vivent pas la volonté de Dieu. Dieu a voulu que nous prospérions. Mais beaucoup vivent des expériences contraires à la volonté de Dieu. Et dans la Bible, il y a quelqu'un. J'aimerais inspirer mon message à cet homme. C'est Lazare. Dans la vie de Lazare. Ah bon, ouais, Lazare. Il y a trois expériences. Ils ont avec expérience sur ça. Négative. Où il y a ma paix. Que beaucoup de gens, beaucoup même des chrétiens vivent. Oh, bah Christ est belé, le loup a zombi. Une expérience très négative. Expérience, mon frère, ma paix. Que je ne mérite pas que toi qui vis. Oh, mana kolingate yobika. Beaucoup d'entre nous le sont en train de le vivre. Kasimawa, bah tu es belé, bazobika. Quand la Bible parle de Lazare. Comme Bibili est sur le belatina Lazare. La Bible a beaucoup mis plus son accent sur sa mort que sur sa vie. Lazare, Bibili est le belé mingo. Et la Bible dit qu'il était malade. Et après il est mort. On est allé appeler le Seigneur. Le Seigneur a attendu qu'il meure pour qu'il vienne. Mais la Bible dit 4 jours après qu'il soit enterré. 4 jours après. C'est alors le Seigneur est venu. La première des choses. Quand le Seigneur est venu. Il arrive devant la tombe. Il arrive devant la tombe. Je voudrais vous dire une vérité. Dans cette tombe, il n'y avait pas que Lazare. Il y avait beaucoup de gens. Mais pourquoi il est venu que pour Lazare? Ça, ce n'est pas mon problème de Jésus. Mais je voudrais te faire comprendre. Comprenez que le Seigneur n'est venu que pour Lazare. Et quand il arrive devant la tombe de Lazare, oh, il trouve la grosse pierre.
qu'on avait mis devant sa tombe. Le Seigneur qui était venu pour Lazare. Il demande l'intervention de ses disciples. Il dit à ses disciples. Allez et ôtez la pierre. La première mauvaise expérience. Expérience à ma belle Liboso. Je ne mérite pas que tu vives. Écoutez bien-aimé. Il est venu pour Lazare. Lazare. Mais pour que Lazare sorte. Si pointe la zalo abima, il faut l'éliminer. Il faut que ce serviteur aide Lazare à lui ôter la pierre. Basunga Lazare ya kolongwa libanga. Si ses disciples n'ôtent pas la pierre, ce qui va yé koliba longola ki libanga te, Lazare ne sortira pas. Lazare ngabima. Pour que Lazare sorte. Pointe la zalo abima. Il faut les sortir. Esengela ki ba. Qu'il vienne ôter la pierre. Baya kolongola libanga. Église, écoutez-moi. Église yokanga. Beaucoup de gens vivent cette mauvaise expérience. Ba te belé bazo expérience. Il y a beaucoup de gens. Christ est déjà venu dans leur vie. Il a déjà donné sa vie au Seigneur. Il a reçu Jésus dans son cœur. Christ est venu devant la tombe de Lazare. Il est venu pour Lazare. Mais pour que Lazare sorte, il faut l'aide des sorts. Si on l'aide pas ôter la pierre, Lazare ne sortirait pas. Beaucoup de gens ont vu ça. C'est une mauvaise expérience. Tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Jésus est déjà dans ton cœur. Mais ta vie dépend toujours des hommes. Ta vie dépend toujours. Ça les soutient des hommes. Toi qui ne peux pas manger. Toi qui ne peux pas payer le loyer. Toi qui ne peux pas scolariser les enfants. Église, écoutez-moi. Église, j'aime dire aux enfants de Dieu. Dans la vie. Prie le Seigneur. Pour qu'il soit le seul à prendre ta vie en charge. Que ta vie ne dépende pas de choses. Pas de melon qui te donne aujourd'hui. Demain va te critiquer. Celui qui te donne, le reste ne te respectera pas. Parce que celui qui te prend en charge, il peut te donner aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens. Mais sa vie n'est pas toujours le seul. Sa vie n'est pas toujours. Combien de chrétiens ne sont pas maîtres de leur vie? Pour qu'il mange, il faut qu'on lui donne. Pour qu'il scolarise les enfants, il faut qu'il y ait qui est en Angola pour le ministère. Pour qu'il paye la garantie, il faut qu'il y ait qui est en Europe. Ta propre maison, elle doit être prise en charge par les autres. Tes propres enfants, mais pour le ministère, il faut l'envoyer chez un homme. Il faut qu'il t'y dépende de quoi que ce soit. Mais tu n'es pas mesure de le prendre en charge. Et les autres te prennent en charge. Tu es enfant de Dieu. Tu es le Seigneur dans ton cœur. Mais ta vie continue à dépendre des autres. Sans le soutien des autres. Toi qui ne mangeras pas. Et pour t'habiller. Et pour il faut que Yaya qui est ta banda. Après qu'il a acheté une autre robe. C'est alors il prendra ce qu'elle a déjà été fait. Et pour t'employer. Il prendra les habits de ses enfants. Après qu'il va trouver que c'est le plus bon pour ses enfants. Et alors il va te l'envoyer. Donc tes enfants ne pourront se vêtir qu'avec les habits déjà utilisés pour les enfants. Cependant, tu es enfant de Dieu. Cependant, tu es déjà tué en toi. Mais pourquoi tu continues à accepter? Et ta vie soit toujours prise en charge de toi. Et ta vie dépend toujours de toi. Et ta vie dépend toujours de toi. Et ta vie dépend de toi. Et ta vie dépend de toi. Yo vos sepela, moi n'a ni bosso, yaya kuna muta boko la. Moi n'a ni balé, les qui n'a na ya tinga fa muta tangi saka. C'est bien pas de sunga yo. Mais on va le bakana sans ça yo yebi. O yebité. Merci. Amen. On va le bakana yo yebi. Bible le bible beaucoup et pas ça quand on te domine. On s'en va ensemble, on s'est déjà ensemble dans.
Mais pour l'année, on m'a toujours fini, je l'ai terminé. Amen. 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 Amen.